Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous donner mon avis sur ces deux nouveaux événements qu'on a depuis aujourd'hui et du nouveau mode de jeu qui d'ailleurs est une très bonne mise à jour, très très belle mise à jour. C'est très cool d'avoir rajouté ce mode de jeu. Je vais vous dire. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Comme vous le savez, tout est dispo dans la barre de description. Sur ce, on récupère ça. J'ai mis un peu de temps à tourner cette vidéo parce que ça fait 2-3 jours que je suis malade. Ça fait 2 jours que je suis malade là. Et on essaie de faire avec ce qu'on a. Mais on va essayer de guérir le plus rapidement possible. Sur ce, on commence. Première chose, c'est cet event. Qui est le obstacle race. Bon, j'ai dit obstacle en français, race en anglais, c'est pas grave. Et premièrement, on a des récompenses de connexion. C'est positif d'ailleurs, 150 à récupérer, c'est sur 4 jours. Là, on gagne quoi? Ok, en vrai, ça va. Et ça ici on gagne quoi? En vrai c'est positif. Ouais, c'est un bel événement. Maintenant ici on fait quoi exactement? Obstacle race, dites-vous que cet événement n'a jamais eu n'est jamais apparu sur la version chinoise hein. C'est la première fois que je vois cet événement, confirme. Et on gagnait vraiment pas mal d'hérocoins au total, ce qui nous permet vraiment de, sur le long terme, de pouvoir économiser pour des futurs portails qui vont arriver. On peut pas skip. Ou je pense que c'est par rapport on a un dé, le dé. Gameplay. On joue avec All Might. Ah, d'accord. Ah, oh. Ok. Faut esquiver tous les trucs. Les flaques, les pièges. Ouais, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, c'est cool, mais c'est un peu chaud. Ok, maintenant j'ai compris le concept. On va refaire ça. Et on verra au total combien on va gagner. Il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas ça qui est bien. En fait, ils ont fait pas mal de bons trucs. Maintenant, on va partir sur le mock trial. Normal mode. Trial pass. Oh! On gagne quoi au total? Combien de... 20. En vrai, pour du free-to-play, c'est vraiment très rentable. Hein. Il y a de quoi, mais il y a vraiment de quoi faire. Si derrière, on prend le pass, réellement, qui est également très rentable, on a de quoi faire... Avec les deux événements et ça, on aura de quoi faire au moins une petite multi. Et derrière, rentabiliser quoi ça? Le blueprint. Rentabiliser pour les futurs portails. Alors, ce qu'il me dit. Ah oui, c'est le fameux buff dont je vous en avais parlé hier et la semaine dernière concernant les buffs qu'on peut mettre sur sur ces deux personnages qui nous permettent de faire plus de dégâts, de tank plus et d'avoir plus de facilité lors des combats. En vrai, je pense qu'au début, commencer par Midoriya, que je le maîtrise mieux, vu que j'ai jamais joué Momo. On va faire un petit test.
Ok, d'accord. Le pass, vraiment, il est vraiment très intéressant. Vraiment, cette mise à jour, c'est pour moi, elle est très axée free-to-play. Et c'est ça qui va un peu rentabiliser, enfin, qui va faire évoluer le jeu dans le bon sens. On fait ça. On va faire juste le premier test. Enfin, le premier niveau. Break mon deuxième sort. Un petit net. Pas que ce soit lui que je focus. J'enlève sa défense à lui. Ah, bon, le focus auto qui est pas bon. Voilà, il a plus sa défense. Et on termine sur ça. A priori. Il n'y en a pas d'autres. Ah, ben si, il y en a un autre. Crois qu'il y en a même un deuxième. Ouais. Ok, ça c'est le premier test, découverte du mode. Et réellement, je trouve que c'est un très très gros point, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'accès free-to-play. C'est qui plus est, c'est les deux persos en fait. Quoi? Les deux persos en fait, ils sont en rotation. Ça veut dire que dans un mois, ben on pourra jouer d'autres personnages. Vraiment, c'est Izuku et Momo. Plus tard, il y aura d'autres persos. Ça ne sera pas ces persos-là, mais c'est un exemple. Pourquoi pas Todoroki et comment il s'appelle, ou Eoshako, ou des trucs comme ça. C'est possible. Ok. C'est pour ça que ça, c'est vraiment un bon point. Est-ce que derrière, pas, on a des récompenses ou pas? Des récompenses sur le nombre de niveaux atteints? Non, c'est pas comme dans le classement. Ok. Et alors, en dehors de ça, on a l'autre événement. Comme je vous l'ai dit, vu que j'étais malade, j'ai pas pu trop jouer. J'ai juste tourné la vidéo ce matin et après, je me suis endormi toute la journée parce que. Même pas ce que j'ai eu. C'est vraiment une dinguerie, les gars. Ce que j'ai eu ces deux derniers jours, je vous souhaite réellement de ne pas avoir ce que j'ai eu. On récupère ça. Je me suis forcé à faire la vidéo tout à l'heure en plus. Là, je vais un peu mieux, mais toujours un peu malade. Et... On s'en fout en soi. On va viser la deuxième multi ici. La troisième multi plutôt. Allez, go. Les moyens de le monter. Pour fêter cette belle mise à jour, une multi. On va faire quoi? Une petite étoile. Et non, je le drop pas. Dommage. De toute façon, on va essayer de le drop. On va essayer de le drop parce qu'il me faudrait juste un doublon pour viser le double S. Ça sera cool. Challenge. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une bonne mise à jour dans sa globalité. Vraiment, c'est une réussite. Et les gens peuvent largement revenir sur le jeu pour cette mise à jour. Parce que c'est que des bons points. Vraiment, c'est que des bons points là. Un peu en retard la mise à jour, mais réellement ils se sont bien rattrapés pour ce mois de septembre, en espérant qu'ils évoluent davantage et qu'ils vont permettre par la suite aux grands joueurs, enfin aux gros youtubeurs de revenir pour donner envie à la communauté de MHA de revenir sur le jeu. Pour ma part, moi je fais mon petit boulot, pas beaucoup de vues, je dépasse pas 400-500 vues, mais si derrière il y a une possibilité que
de voir une évolution du jeu vis-à-vis des prochains modes de jeu, des prochaines mises à jour, amélioration du ping, etc. à droite à gauche. Ça sera vraiment très très bon pour le chemin que prendra ce jeu. Sur ce, pense vous avoir donné mon avis. Je dis que c'est le bon moment pour reprendre. Il y a Dabi par la même occasion. Tout le monde est fan de Dabi. Ou dans tous les cas, vous pouvez économiser pour les futurs persos. Que ce soit Overall, le million, Eiffo, etc. etc. parce que c'est sûr qu'on les verra d'ici quelques mois. Et peut-être prochain personnage en perso A, on verra Toga. Intéressant. Ou Mist. Hein, Black Mist. Sur ce, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Et ciao et à la prochaine. Prenez bien soin de vous tout le monde. Peace!